Salut à toi, bienvenue sur Math en tête. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'étude des variations d'une fonction trigonométrique. En l'occurrence, la fonction définie pour tout x appartenant à l'intervalle 0 de pi par f de x égale sinus x plus cosinus x. Et autant la méthodologie est la même que pour une fonction plus traditionnelle, disons, autant il y a certaines petites bricoles dont il faut qu'on parle dans cette vidéo. Allez, on met sur pause, on travaille l'exercice et on en rediscute après le générique. Et donc on va commencer par montrer que l'expression de f est également racine de 2 sinus x plus pi sur 4. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle une formule d'addition. Pour tout a et b réel, sinus a plus b, c'est sinus a cos b plus sinus b cos a. Et donc en posant a égale x et b égale pi sur 4, on a donc sinus x plus pi sur 4, commençons par là, égale sinus x cos pi sur 4 plus sinus pi sur 4 cos x. Or, petit cercle trigo, on positionne pi sur 4 et on se souvient, valeur remarquable, que le cosinus et le sinus de pi sur 4 valent tous deux racine de 2 sur 2. On se retrouve donc avec sinus x fois racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 fois cosinus x. Donc après factorisation, racine de 2 sur 2 fois cosinus x plus sinus x. Ainsi, racine de 2 sinus x plus pi sur 4, c'est égal à racine de 2 fois le résultat précédent, qui vaut donc racine de 2 sur 2 fois f de x en fait. Donc racine de 2 au carré, le tout sur 2, fois f de x, ou encore 2 sur 2 fois f de x, c'est-à-dire f de x. Donc notre fonction f de x, sinus x plus cos x, s'exprime également de la manière suivante, racine de 2 multipliée par sinus x plus pi sur 4. Quel est l'intérêt d'avoir cette nouvelle forme? Eh bien, le problème de la fonction f telle qu'elle est donnée au départ, c'est qu'elle présente des x dans deux termes différents, sinus et cosinus. Quand on dérive cette fonction f' de x, ça se fait relativement vite. La dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. On se retrouve donc avec cosinus x moins sinus x. Et pour étudier le signe de ça, c'est très compliqué. Là, grâce à notre transformation, on a un x simplement à l'intérieur d'une fonction sinus, donc en termes de gestion, ça va être beaucoup plus simple. Donc petit rappel, la dérivée de sinus, c'est cosinus, et la dérivée du sinus d'une fonction affine, ax plus b, c'est a fois le cosinus de ax plus b. Donc ici, pour tout x appartenant à 0 de pi, f' de x, ça va être racine de 2, le coefficient, donc devant, qui ne va pas bouger, multiplié par la dérivée de sinus x plus pi sur 4, c'est-à-dire cosinus de x plus pi sur 4, multiplié par la dérivée de x plus pi sur 4, c'est-à-dire 1. Le petit a ici vaut 1. Donc au final, la dérivée vaut racine de 2 fois cos x plus pi sur 4. Et donc avant d'en étudier le signe, on va déjà trouver les racines de la dérivée. On va donc résoudre f' de x égale à 0. Et donc par conséquent, on a affaire à une équation trigonométrique. On se débarrasse assez rapidement du racine de 2, du coefficient, en le passant de l'autre côté du égal, on se retrouve donc avec cos x plus pi sur 4 égale à 0. Petit cercle trigo, on va regarder pour quelle valeur le cosinus s'annule. Et on constate qu'il s'annule en pi sur 2 ou en 3 pi sur 2. On peut donc dire que x plus pi sur 4 peut être égal à pi sur 2, modulo de pi, toujours à un tour près. Ou alors, x plus pi sur 4 peut être égal à 3 pi sur 2, modulo 2 pi, donc plus 2 kπ avec k entier relatif. Et donc de proche en proche, on va trouver x en soustrayant pi sur 4 de chaque côté de l'égalité. On se retrouve donc avec x égale pi sur 2 moins pi sur 4, plus 2 kπ, ou encore 2 pi sur 4 moins pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 4, plus 2 kπ, première valeur. Ou alors, x égale 3 pi sur 2 moins pi sur 4, plus 2 kπ toujours, c'est-à-dire 6 pi sur 4 moins pi sur 4, ou encore 5 pi sur 4 plus 2 kπ, k appartenant à z. Or, il ne faut pas oublier que notre x appartient à l'intervalle 0 de pi. Donc les seules valeurs possibles vont être x égale pi sur 4, ou x égale 5 pi sur 4. Dès que vous rajoutez un tour, c'est-à-dire 2 pi, on sort de l'intervalle 0 de pi. On tient donc nos deux valeurs. Et avant de faire le tableau de variation final, on va détailler
le signe de f' de x sur eh bien, les intervalles 0, pi sur 4, pi sur 4, 5 pi sur 4, et 5 pi sur 4, 2 pi. Et pour ceci, on va remplir et compléter l'énoncé proposé quand x appartient à l'intervalle 0, pi sur 4. Où est x plus pi sur 4? Eh bien, un petit cercle trigonométrique va nous permettre de visualiser tout ça. Donc, je positionne déjà x entre 0 et pi sur 4, et j'ajoute pi sur 4 à x. On se retrouve donc avec x plus pi sur 4 entre pi sur 4, et pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait 2 pi sur 4 ou pi sur 2. Je le positionne en bleu sur le cercle trigo. Et dans ce cas-là, que peut-on dire du cosinus de x plus pi sur 4? Il est positif. Donc le cercle nous permet de visualiser le signe de la dérivée sur l'intervalle concerné. Deuxième petit cercle pour l'intervalle pi sur 4, 5 pi sur 4. Donc 4 pi sur 4 c'est pi, 5 pi sur 4 c'est dans le troisième cadran. Donc en jaune, hein, l'intervalle pi sur 4, 5 pi sur 4. Et en bleu, j'ajoute pi sur 4 pour obtenir x plus pi sur 4. Et donc pi sur 4 plus pi sur 4, on retrouve pi sur 2. Et 5 pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait 6 pi sur 4, ou alors 3 pi sur 2. Dans ce cas-là, le cosinus est négatif. Dernier cas de figure, quand x est entre 5 pi sur 4 et 2 pi, je rajoute pi sur 4, je me retrouve donc avec x plus pi sur 4 entre 5 pi sur 4 plus pi sur 4, ça fait 6 pi sur 4, c'est-à-dire 3 pi sur 2. Et puis 2 pi plus pi sur 4, ça fait 8 pi sur 4 plus pi sur 4, c'est-à-dire 9 pi sur 4. Dans ce cas-là, le cosinus est positif. On a donc le signe de la dérivée. On va pouvoir conclure par un tableau de variation. Le domaine de définition, 0, 2 pi. Les racines, pi sur 4 et 5 pi sur 4, qui annulent donc la dérivée, hein, les racines de la dérivée. On positionne nos signes, plus, moins et plus, comme trouvé précédemment. Et donc, votre fonction va être croissante sur l'intervalle 0, pi sur 4, décroissante sur pi sur 4, 5 pi sur 4, et croissante à nouveau sur 5 pi sur 4, 2 pi. On finit par les valeurs remarquables. L'image de 0, cos 0 plus sinus 0, eh bien, ça fait 1. De même pour l'image de 2 pi. Et puis en pi sur 4, on se retrouve avec cos pi sur 4 plus sinus pi sur 4, c'est-à-dire racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2, ou encore 2 racine de 2 sur 2, c'est-à-dire racine de 2. Et pour 5 pi sur 4, le cosinus est négatif, et le sinus également. Donc on se retrouve avec moins racine de 2. Et on finit bien sûr par checker tout ça sur GeoGebra. Donc je commence par tracer la courbe de la fonction f de x, juste sur l'intervalle 0 de pi d'ailleurs. Je m'assure au passage que l'expression qu'on a trouvée fonctionne bien. On a bien la même courbe. Je gradue en pi sur 4 l'axe des abscisses pour constater que tout a l'air de bien fonctionner par rapport à ce qu'on vient de prouver. Le maximum de la fonction semble être en effet racine de 2 et le minimum moins racine de 2. Voilà pour cette étude de variation. Sur le principe, la méthodologie est très classique. En revanche, je préciserai quand même que pour ce faire, il est important qu'on ait un x en un seul exemplaire, dans une seule fonction trigo, d'où la formule d'addition qui est proposée ici. Et deuxième point, étudier le signe de la dérivée nécessite de faire des petits cercles trigo histoire de compartimenter les cas et d'arriver à se repérer. Voilà, j'espère qu'en tout cas tout est clair. Si c'est le cas, c'est parfait. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour encourager mon travail s'il vous a aidé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.